pour Radoslav Levic, qui va écarter pour Brock James. James oh, pour Russell, Russell qui crochet, Russell au crochet à nouveau. Oh là là, 5 mètres de la ligne des Bordelais, Radoslav Levic. Ah c'est bon ça, ah, c'est bon. Il y a son nombre. Dexter là-bas, il l'a vu, putain, il a c'est buteur. Oh, il marque. Ah, que c'est bon. Magnifique. Oh que c'est bon. Qu'ils sont forts, c'est Clermontois. Qu'ils sont forts, qu'ils ont réaliste. Qu'est-ce que ça joue bien, c'est fluide. Et ouais, c'est Butin qui conclut ce mouvement. Bravo. C'est peut-être la première fois où les Clermontois sont dans les 22 bordelais et ils scorent. Cette fois-ci, ce sont les Bayonnais qui sont sanctionnés dans l'alignement. Etius Borg qui va jouer vite. On est à 2 essais du bonus. Il ne faut donc pas perdre de temps côté toulonnais si on a la prétention d'aller le chercher, ce point supplémentaire. Maker qui avait peut-être à l'écran de Heyman. Rien, dit Monsieur Cloutet. Mastaro en perce muraille est plaqué par deux Bayonnais. Et notamment Guillaume Bernad. Christophe Sanson pour resserrer cette défense bayonnaise. Il résiste, l'ancien Clermontois. Il libère bien ce ballon. Tius Borg, le petit côté avec Stéphane Armitage qui s'est bien proposé. Et le doublé du flanqueur anglais. Quel appel, quelle belle lecture du jeu de Stéphane Armitage. Production de Borges, le ballon à l'épée de Galland. Galland qui s'arrête, qui participe et qui marque. Premier ballon, essai de Gillian Galland. Son premier de sa carrière en championnat, le tout jeune joueur de 20 ans marque l'essai qui va peut-être donner la victoire à Toulouse. Oh la belle passe au cordeau, maintenant on a alerté très près Vaili dans les 22 mètres de Lyon, le ballon qui va jaillir des mains d'Adams pour Lopez, remise intérieure, c'est de la fin, c'est de la fin. On connaît le crochet, l'essai, l'essai au pied des poteaux, parfait. Jeu des Bordelais qui marque les premiers points dans cette partie, 5-0 pour Bordeaux. Et là, Ruck pour deux touches. Et il y avait Andreu qui essayait de retenir Sylvain Marcollet, c'était oui, intéressant à voir. Avec Cavaliero, attention à ne pas mettre les mains côté Biarro, toujours pas de faute. Baye qui peut écarter maintenant. Bernard avec Mazoé. Mazoé qui avance au sol maintenant. On n'est toujours non, pas rentré dans les 22 mètres de Biarritz. Le relais avec Rory Cocotte. Rory Cocotte arrêté sur la ligne des 22. Toujours pas de faute. Baye qui allonge sa passe pour Diarra. Diarra face à Traille. Oui, il a évité de Traille. Il y a eu le plaquage marqué, oui. Même il est tombé dans les bras d'Arnaud Egui. Avec le relais maintenant de Bonello. Bonello repoussé lui aussi par Jérôme Thion. Ah, c'est la première longue séquence du Castres Olympique qui arrive à tenir et déplacer ce ballon. Bah, ouais, mais il y a peut-être un surnombre au bout là-bas ah, avec ça, les, c'est jambes, ouvert. Les jambes de Telé. Telé, oh, énorme tampon, mais il a pu donner son ballon pour l'essai. L'essai juste avant la Lita, oui, de important. Romain Martial après une énorme séquence de jeu. Et il a surpris tout le monde, même la caméra, Romain Martial. Alors que Telé s'est fait dézinguer. Ah, il a offert le ballon d'abord et puis son corps aussi. En début d'alignement, il y a Christophe Sanson plus haut que tout le monde. Et derrière, ouais, c'est l'épreuve de force. C'est si près de la ligne. Ils sont quasi inarrêtables, mais c'est fait par les Bayonnais. Bonne défense sur ce premier groupé pénétrant. Sébastien Thiousbord demande à ses avants de se relever. Oui, l'organisation autour de Sébastien hein, avec Gunther. Repoussé, mais toujours ce ballon sous contrôle. Attention, il y a Loaki qui est venu le disputer. Thiousbord qui fait les bordures, c'est compliqué. La défense est là, la défense est en place. Armitage, beau travail très près du sol, Armitage. La bonne défense de Bernad. Mais les avants toulonnais font un travail de sape pour resserrer cette défense bayonnaise pour après la contourner certainement. Gunther. On voit les changements de tous les trois quarts toulonnais qui sont en train de changer. On insiste sur le grand champ avec cette charge d'Aiman. Attention, il n'y a pas beaucoup de soutien côté le toulonnais. Et on insiste encore. Thiousbord a vu un intervalle. Bastaro qui résiste. On insiste. Armitage à l'intérieur. C'est bien fait. L'essai du bonus, signé Rounet avec ce jeu de passe magique, magnifique si près de la ligne.
qui a pu avancer derrière. Sortie Julien encore avec Pays Relong. Balcho Gouenien, 2 contre 1, retour intérieur, c'est bien Guillaume. Fait avec Guillaume. Guillaume qui accélère, il va y aller tout seul, Guillaume, il va y aller pour le premier essai de ce match. Il se l'est fait quasiment tout seul celui-ci. Et le premier essai dans ce match, il est pour Biarritz grâce à Guillaume. Ça tourne encore une fois. Le poteau et ça touche même le poteau. Attention à Nagusa dans son embut qui va aplatir tranquillement. Attention, c'est joué rapidement. Il l'a vu. Oh, c'est bien dosé. Oh, c'est magnifique. Un talent du pied de François Trinduc qui a libéré Nagusa. À une main. Nagusa, le ballon maintenant pour Kombozou. Il faut donner. Il y a Fulgence Pedrogo. Il y a la relance de Montpellier. Et c'est un essai de 100 mètres. C'est un essai de 100 mètres. Lancé pour la Combe. Et elle n'a plus le ballon depuis. Ballon dévié par Azoulay. Figuerola qui a évité le premier plaquage mais qui est pris ensuite. Ballon relevé par Mella. Essaie de progresser. Stoppé par Tonita. Ballon toujours pour les brévistes avec Garrati. Garrati qui tape une chandelle très courte. Il va y avoir embouteillage dessous. Ballon qui est récupéré par les brévistes. Pas d'en avant avec Kakovin. Ça sort rapidement avec Spelling qui avait laissé derrière le passe de crochet. Magnifique. L'exploit de Scott Spelling, c'est un événement. C'est un événement. Après 600 minutes, Brive marque enfin un essai. Après 7 matchs et demi, les Brivistes trouvent l'ouverture. Premier essai de ce match, marqué par Scott Spelling. Ballon disponible pour Montpellier. On va jouer au pied. C'est fait par Morosino. Et en couverture, il trouve son compatriote, Conte Pomi, qui est sorti de ses 22 mètres. Chandelle. Récupération, Matadigo. Il y a du monde sur la largeur. Et Matadigo qui échappe à un plaquage. Il va revenir dans cette zone. Des 15 mètres, Matadigo intérieur, peut-être non. Il n'a pu passer les bras pour Ouedraogo. Julien Thomas qui éjecte avec Amorosino. Sur les largeurs, on a trouvé Rémi Martin qui contrôle en deux temps. Et qui libère maintenant dans le bon timing. Oh, la passe après contact n'a pas fonctionné pour Bosque. Attention, joue encore même sens avec Mamouka Gorgoté. Pris un peu haut par Paul Saquet, mais ça n'est pas méchant. L'arbitre les joué en renverse avec Trinduc. Encore les largeurs. Il faut passer sur le pas, c'est fait, c'est magnifique. Bustos Moyano qui va jouer le duel. Bustos Moyano dans les 22 mètres du Stade Français. Julien Thomas, le coup d'œil avec Bosque en premier attaquant. Non, c'est finalement Kombozou qui écarte vers Gorgoté. La transmission n'est pas bonne. Attention à Nagusa. Oh, Nagusa qui a repris l'axe. Nagusa qui a libéré Gorgoté. Ça paraît d'un côté à l'autre du terrain. Ça avance tout le temps. Et ça conserve et ça renverse. Avec maintenant Trinduc, la passe au pied dans le dos, en tous les cas le petit par dessus, c'est payant, oui. Oh, la variété de Montpellier. Et l'essai pour le Sud-Africain Bosque. Deuxième essai de Montpellier, on a tout vu, la largeur, l'axe et le petit jeu au pied dans le dos.